Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Encore cette année, elle nous revient avec ses nombreux et justes conseils en matière de lois routières et autres lois qui concernent surtout la sécurité routière. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je reçois la porte-parole de la Sûreté du Québec en Abitibi-Témiscamingue, la sergente Nancy Fournier. Nancy, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir et puis encore cette année, avec votre permission, nous allons faire quelques émissions. On a commencé l'an dernier, les gens ont adoré ça, même ils m'en ont demandé, ils m'ont demandé encore, il n'y a pas tellement longtemps, si vous reviendriez, parce qu'on éclaircit beaucoup de choses, des lois qu'on ne connaît pas beaucoup, malheureusement, puis c'est pas dans le but, bon, on va parler de ça, parce que si je vais éviter une étiquette peut-être en faisant ça, c'est pas la question de étiquette, c'est la question de sauver des vies, premièrement. Oui, la sécurité avant tout. Et la sécurité avant tout. Fait que c'est surtout ça, le but premier de nos émissions, puis c'est toujours avec grand plaisir qu'on va nous recevoir, et puis vos réponses sont toujours très pertinentes. Bien, merci. On va essayer que ça le soit encore. Oh oui, j'en suis persuadé. Je n'en doute pas du tout. Nancy, moi, il y a une chose, mais encore dernièrement, il y a une autopatrouille qui a arrêté un automobiliste sur la route 101. Puis, j'ai vu que l'auto qui suivait en arrière, j'ai trouvé qu'elle était collée pas mal sur les deux autos qui étaient arrêtées. J'ai dit, il colle, puis il n'y avait personne qui s'en venait là. Okay. Ça, on appelle ça le corridor de sécurité. Bon, puis en tout cas, moi, je pensais que c'était quand même assez nouveau, mais en tout cas, on me dit que ça fait 10 ans. Puis, le non-respect, est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas assez au courant de ce fameux corridor de sécurité? Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas tellement au courant ou c'est parce que, j'aime pas ça dire ça, mais ils s'en foutent éperdument? J'espère que ce n'est pas le deuxième, là, j'espère. Mais c'est quoi là, le corridor de sécurité? Puis comment on doit procéder, nous autres, mettons, l'auto qui suit là, en arrière? Bon, je vais essayer d'être claire. Effectivement, c'est en vigueur depuis 2012. Okay. Donc, on en a fait beaucoup, on en a parlé beaucoup au départ pour essayer d'éclaircir les choses. Mettons qu'on est sur une voie, il y a une voie vers le sud, une voie vers le nord. Okay. Juste seulement une voie de chaque côté. Moi, j'arrive, puis il y a une auto-patrouille, là, un véhicule de police qui est en train d'intercepter un autre véhicule, puis il est dans ma voie. Il n'est pas dans l'accotement, OK? Il est dans ma voie. Mm-hmm. Donc, moi, mon obligation, c'est premièrement, je ralentis. Puis, par la suite, je vérifie si dans la voie de sens inverse, s'il n'y a pas de véhicule, puis que c'est sécuritaire, je m'en vais dans la voie sens inverse et je dépasse les deux véhicules, dont l'auto-patrouille, pour par la suite revenir dans ma voie. Si le véhicule patrouille, il est dans l'accotement. Moi, ce que je dois faire, c'est ralentir. Première des choses, oui. Premièrement, on ralentit. Oui, oui. Puis, par la suite, s'il n'y a pas de danger, je peux dépasser le véhicule, mais en collant vraiment, en mettant très proche de la ligne du centre, ligne jaune. Mm-hmm. Puis, je dépasse tranquillement l'autopatrouille pour, après ça, revenir dans le centre de ma voie. Donc, c'est la façon de procéder. Si vous arrivez, puis que la dépanneuse est un petit peu, justement, l'accotement, puis dans votre voie, puis que vous n'avez pas le choix, si vous voulez passer vraiment, de faire un bon corridor de sécurité, passer un petit peu dans l'autre voie qui traverse la ligne jaune, comme on dit, puis qu'il y a des véhicules qui s'en viennent, vous devez arrêter. Vous ne pouvez pas juste dépasser en vous disant, ah, les gens qui s'en viennent, ils vont se tasser dans l'accotement, puis moi, je vais passer. Non. Premièrement, okay. C'est que vous ralentissez. Puis si vous voyez qu'effectivement, ça ne serait pas sécuritaire parce qu'il y a des véhicules qui s'en viennent, vous vous arrêtez. Okay. Vous attendez que ça soit sécuritaire et par la suite, vous passez. Parce que si vous suivez une auto-patrouille,
qui est sur le point d'arrêter une autre auto, il va, les gyrophares vont être allumés, pas en arrivant sur l'auto, là. Ils vont être allumés quand même un certain bout en arrière pour bien avertir, premièrement, l'automobiliste en avant que, hey, je t'arrête, là. Okay? Oui. Puis vous, si vous suivez en arrière, bien là, vous savez, oups, il va faire une intervention, lui, là. Fait que, c'est quand même, là, on le sent venir, là. On sait c'est quoi. Fait que la première affaire à faire dans ce temps-là, c'est... ralentir. On ralentit. Vous observez qu'est-ce qui se passe. Puis... S'il y a des autos qui s'en viennent sur l'autre côté, bien là, oups, là, je me prépare à arrêter probablement. Là. Oui, c'est ça, parce que c'est ça. Si vous pensez justement si la personne, la dépanneuse ou l'ambulance, peu importe, n'a pas pris comme tout l'accotement qui est plus dans votre voie, bien, c'est à vous arrêter. C'est pas aux autres véhicules qui s'en viennent à sens inverse de se tasser pour que vous puissiez passer. Donc, on s'arrête, on s'assure qu'il n'y a pas de danger, puis par la suite, on fait un beau corridor de sécurité. Est-ce qu'il y a des infractions sur le non-respect du corridor de sécurité? Oui, effectivement. Okay. En fait, les gens peuvent se voir émettre une amende de 200 $ plus les frais avec un 4 points d'inaptitude. Oh, OK. Fait que c'est, je pense que j'en reviens toujours à la même chose. C'est pas le fait d'avoir une contravention. C'est le fait que tu peux blesser ou tuer du monde aussi. Là. C'est en fait, c'est pour ça qu'ils ont mis cette réglementation-là. C'est pour protéger tous les premiers répondants, policiers, ambulanciers, pompiers, oui, parce que c'est pas rien. Une autopatrouille, là, ça peut être aussi une remorque. Là, oui, une remorque, là, là. Un véhicule qui fait de la circulation. Aussi, puis aussi les personnes... Hein, si une remorqueuse est venue pour un véhicule qui est en panne, bien, les personnes qui sont à l'intérieur du véhicule aussi, il faut les protéger. Là. Voilà, exactement. Fait que là, c'est clair, quand vous voyez une intervention policière de même, bien, c'est à vous de juger. S'il y a des autos qui s'en viennent en sens inverse, préparez-vous à arrêter. Puis s'il n'y en a pas, bien, on s'en va sur l'autre ligne à côté. C'est ça. C'est important. Même si l'école est commencée depuis un certain bout de temps, la rentrée scolaire, puis et ce qui s'ensuit après, moi, j'aimerais juste qu'on en parle un peu, là, avertir les gens d'être sécuritaires, parce que des petits bambins, là, il y en a, puis quand ils sortent d'école, là, on parle là, de maternelle ou de ce sont des petits bambins. Eux autres, là, ils ne regardent pas. Là, c'est à nous autres à être doublement sécuritaire, faire très attention parce que j'en vois malheureusement encore et qui passe vite, lui, puis tu sais, on est là, puis moi, on en tremble quasiment parce qu'un petit bonhomme là, qui s'en va, là, il peut traverser ça. Oui, là, c'est imprévisible. C'est très imprévisible. Ce serait quoi là, les conseils là-dessus? Bon, c'est sûr, comme vous dites, là, on vient de le voir, l'école est recommencée, donc c'est sûr que il y a beaucoup d'achalandage, hein? Il y a beaucoup de piétons, là, c'est ainsi les cyclistes aussi, les parents ou les personnes qui viennent porter les enfants, on parle des autobus scolaires, les brigadiers. Donc, il y a beaucoup de gens, là, surtout, là, justement, à l'entrée, à la sortie de l'école. Donc, premièrement, c'est vraiment de respecter la vitesse. Hein? Comme vous avez pu le constater, dans les zones scolaires, maintenant, c'est pratiquement tout à 30 km. À 30 km, oui. Ça, c'est pas pour rien. Hein? Non, non. C'est vraiment justement pour que la vitesse, on la réduise le plus possible pour être plus vigilant. Donc, on réduit la vitesse, mais on reste aussi, comment je pourrais dire, on essaie de pas être dans l'une non plus, hein? Parce que les enfants, justement... Très éveillés. Très éveillés, puis de regarder partout et de... Dans le fond, on conduit pour les autres, hein? Puis surtout pour les enfants. Donc, ce que j'ai pu constater, c'est que les personnes qui commettent souvent des infractions au niveau des zones scolaires, c'est les personnes qui viennent porter les enfants. Ah, OK. Dont les parents. Ah, OK. Que souvent sont pressés. Puis, ce qu'on voit souvent, c'est que oui, il y a la vitesse, mais il y a aussi les gens, bon, les parents ou les adultes viennent porter les enfants, ils se mettent comme en double. Tu sais, il y a les stationnements, gens sont stationnés, eux autres, ils se mettent en double à côté, puis ils disent à leurs enfants, OK, vas-y, débarque. Ce que ça fait, c'est que la visibilité, là, elle est pratiquement nulle pour les personnes qui s'en viennent comme ça. Ah, mon Dieu, oui. Si un enfant est sur le trottoir, puis il dit, ah, oh, mon Dieu, j'ai oublié ma boîte à lunch, je vire de côté pour traverser, la personne qui s'en vient n'a pas le temps de le voir avant qu'elle passe le pare-choc de l'autre voiture. Donc, on peut avoir des collisions.
Okay. Fait que ça, c'est une des infractions qu'on voit. Sinon, les personnes qui viennent se stationner dans les zones débarcadères. C'est pas pour rien qu'il y a des zones débarcadères. C'est pour... On se stationne là le temps que notre enfant débarque et on repart. Okay. Mais il y a des parents qui vont se stationner là, ils vont sortir du véhicule avec leur enfant, aller le porter à l'intérieur parce qu'il est trop petit pour marcher, toute seule. Mm-hmm. Mais ça, en fait, ce que ça fait, c'est que les zones débarcadères, c'est pour qu'il y ait une fluidité là, au niveau des parents qui viennent porter les enfants. Donc, si on se stationne là pendant un 10, 15 minutes, 20 minutes des fois, parce qu'on parle avec le professeur, ça l'empêche justement, les zones débarcadères, que là, les gens vont s'immobiliser à côté de d'autres véhicules stationnés. Donc, si vous êtes pour être obligé de rentrer à l'intérieur de l'école, oui, il va falloir vous marcher un petit peu, mais stationnez-vous à un endroit qui est justement faite pour les stationnements, sécuritaire, pour pouvoir aller porter mm-hmm. votre enfant. Ce que on en voit tellement, ce que on en voit malheureusement trop de parents qui sont, c'est eux autres qui devraient être les plus attentifs. C'est leur enfant. Bien, c'est leur enfant enfants. Ou les enfants des amis de leurs enfants. Et, oui, c'est ça, exactement. Puis c'est vrai, c'est un fait que très souvent, les parents sont pressés, ils viennent, ils se stationnent en double pour faire débarquer leur enfant. Très souvent, ils sont stationnés en plein milieu de la rue. Puis Bien, c'est la visibilité, hein? C'est la sécurité des enfants. Puis aussi, je vois souvent des gens qui font des virages en U aussi, hein? Des U-turns comme on appelle. Oui, oui. Bien, en faisant ça, la visibilité aussi, c'est pas pour rien que c'est interdit. C'est parce qu'on n'a pas la même visibilité que, justement, lorsqu'on fait juste tourner dans une cour. On n'est jamais assez pressé pour jouer avec la vie des enfants. Ça, c'est sûr. Oui, puis aussi, il ne faut pas oublier que, comme vous dites tantôt, c'est pas juste les amendes ou les constats d'infraction, ça reste que la vitesse au niveau des zones scolaires, lorsqu'on reçoit une amende, l'amende est toujours doublée. Hein? Donc, si vous circulez, mettons, à 50 dans une zone de 30, bon, bien, au lieu d'avoir un constat de 55 $ plus les frais, vous allez avoir un constat de 110 $ plus les frais. Ça double. C'est comme sur les chantiers de construction, oui. C'est ça? Oui, les zones de construction, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, on vous demande d'être doublement prudent, s'il vous plaît, parce que ces petits bambins-là, là, eux autres, ils sont contents, ils sortent de l'école, puis ils sont avec un paquet d'amis, là, puis là, ils se bousculent un peu, puis il faut faire attention. Oui, bien, c'est ça. Il faut vraiment, tu sais, être présent d'esprit pour eux, pour leur sécurité. Une chose qu'on pourrait peut-être juste dire en terminant, c'est que si vous n'êtes pas obligé de passer par la rue où il y a vraiment un paquet d'enfants qui, à la sortie de l'école, est dans la rue, allez donc passer par une autre. Bien, c'est sûr qu'il y a moins que de circulation, moins que de risque. Hein? Voilà, donc, si ce n'est pas une obligation pour vous de passer en avant des écoles, bien, ça peut être bon pour vous. Faites donc un petit détour. Puis bon pour la sécurité également. Voilà, exactement. Fait que soyez prudents, s'il vous plaît, parce que les enfants, ils sont inconscients sur ça. C'est pas parce qu'ils font par exprès. Ils font pas par exprès, sauf qu'ils sont contents, puis ils sortent. Ben oui, puis tu sais aussi les parents aussi de conseiller leurs enfants aussi. Oui. Ça c'est oui, de leur démontrer. Ça c'est la base. C'est ça là. Tu sais où passer. Tu sais souvent les zones scolaires, il y a des brigadiers, il y a des zones de piétons. Ouais. Donc le parent qui vient porter son enfant, ben de lui montrer l'exemple qu'il faut aller passer vraiment où est-ce que le brigadier. Voilà. C'est bon aussi là pour que l'enfant enregistre. Fait que ça part de la maison. Oui, c'est sûr qu'il y a une éducation à faire au niveau des parents. Puis, si justement toutes les gens qui circulent dans ces zones-là font attention, bien, je pense qu'on peut sauver des vies. Puis, voilà. Alors, soyez prudents, s'il vous plaît. J'avais écrit ici parce que la chasse arrive à grands pas. Oui. Oui, oui. Si les chasseurs peuvent avoir des balles pour aller à la chasse, premièrement, oui, parce ça. Que là, c'est rendu, c'est déjà une pénurie. Le rôle de la Sûreté du Québec, il y a des agents de la faune, on connaît leur rôle, mais est-ce que la Sûreté du Québec a un rôle également à jouer au cours de la période de la chasse? Est-ce que vous avez un rôle spécial ou bien non?
c'est les mêmes rôles que vous jouez habituellement? Bien, c'est sûr que c'est... Tu sais, on joue le même rôle, on a le même mandat, oui, qui est mandat, au niveau... Oui. En fait, ce qui concerne un peu plus la chasse ou le temps de la chasse, c'est vraiment la loi sur les armes à feu. Mm-hmm. Hein? Le fait de, justement, transporter notre arme de façon sécuritaire, d'avoir en sa possession, là, justement, le... d'avoir notre permis de possession, acquisition. Et possession aussi, oui. C'est ça, exactement. Ce qui est important. Puis aussi, tout le côté criminel, hein, les conduites capacité affaiblie, il y en a également. Oui. Autant dans les véhicules, parce que les gens, bon, ils prennent des chemins plus isolés, donc des fois... C'est pas grave, vous recevez une petite bière, puis regarde, on va chasser en s'en allant, mais ouais, c'est pas mais plus... C'est ça. Même si on est dans un chemin forestier, on n'a pas plus le droit... Est-ce que je vais trop loin en disant ça? Là? Non, bien, il y a des lois sur pratiquement toutes les routes. Okay. Là. Okay. Donc, puis la conduite capacité affaiblie, bien, c'est illégal autant, justement, dans un auto que sur un véhicule tout-terrain. Ou... On a tué, donc, avant de l'arranger, on va prendre une petite bière, on va l'arranger en prenant 3-4 petites bières, puis après ça, on va aller le faire enregistrer, puis... Mais c'est ça. C'est 3-4, ça en fait. Ça commence à en faire. Ça en fait peut-être un petit peu trop pour être au volant du véhicule. Voilà, donc, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que nous, on vérifie ça aussi, l'état de conduite des conducteurs. Puis aussi, mettons, si ça viendrait, on ne le souhaite pas, mais des chicanes de territoire de chasse qui en viennent à des menaces, à des voies de fait. Donc, tout ce qui est criminel, là, c'est nous qui s'occupons de ça. Puis, j'aime pas dire le mot « on joue », mais disons qu'on le prend, là. On joue avec des armes à feu, là. Effectivement. Puis, à la chasse, plus souvent qu'autrement, j'étais allé tellement d'années à la chasse, notre arme, elle est chargée. Elle est barrée, j'espère, mais seulement qu'elle est chargée. Donc, on a de quoi, là, qui tue, là, dans les mains, là. Bien, c'est ça, c'est que dans le fond, c'est pas pour rien que des lois. Hein? Puis justement, mettons qu'on est dans notre véhicule, puis on transporte notre arme. Mettons, on est... Bon, justement, on est dans notre petit chemin pour chasser. Mm-hmm. Dans le véhicule, bien, l'arme à feu ne doit pas être chargée. Oui, au départ, oui. C'est ça, ne doit pas être chargée. Donc, on peut se promener avec l'arme, mettons, pas verrouillée, mais ne doit pas être chargée. Lorsqu'on se promène à pied avec notre arme pour, justement, chasser, là, elle peut être chargée, mais justement, on est à pied. Hein? Voilà. Donc, il y a différentes... C'est sûr qu'il y a plein de sortes de réglementations en lien avec tout ça serait de se renseigner, mais... Parce qu'un accident est si vite arrivé. Oui, et puis souvent, c'est ça qu'on... Tu sais, c'est un accident de chasse, comme ils disent, mais avec des armes à feu, c'est que souvent, ben c'est ça, ça fait des victimes, puis on aurait pu éviter ça si on aurait été plus... Faire plus attention. Fait que soyez prudents, s'il vous plaît, puis c'est bon de prendre une petite bière à la chasse. J'en suis un, moi, qui en prenait une petite bière à la chasse, mais il faut quand même être raisonnable. Il faut faire attention. Il faut s'assurer, justement, que notre arme à feu est bien... sécurisée, bien verrouillée. Puis après ça, on peut prendre une petite bière, puis on sait que... Voilà, exactement. Fait que soyez vigilants, puis soyez prudents, s'il vous plaît. On parle de côte à côte, 4 roues, 3 roues, sur les chemins publics. On en voit beaucoup. Mais est-ce que c'est légal? Mais en fait, c'est pas légal. Hein? Okay. Tous les véhicules hors route, même les motoneiges, ont pu les rentrer dans l'eau. C'est interdit de se promener sur le chemin public. Les seuls endroits où on peut traverser un chemin public, c'est lorsque c'est indiqué qu'on peut le faire. Sinon, ben oui, on peut avoir une amende de 350 $ plus les frais si on circule sur un chemin public. Quand on parle de côte à côte, de 3 roues, de 4 roues, l'âge limite, l'âge minimum, pardon, pour pouvoir conduire ce genre de véhicule, est-ce que c'est un véhicule moteur, c'est quoi? Bien, en fait, c'est... dans le fond, on peut commencer à circuler, conduire un quad. On va dire un quad. Un quad, OK. Bon, bien, à 16-17 ans, on peut le faire. Mais il faut quand même avoir le certificat, on appelle ça un certificat d'aptitude, qui est délivré justement par la Fédération québécoise des clubs quad. Okay. Donc, il faut avoir ça en main. Puis, il faut également avoir un permis de conduire valide. Puis ça, c'est pas juste pour les personnes de 16 ou 17 ans. C'est pour tout le monde. Puis ça, ça date depuis le 10 septembre 2021 qu'une personne qui conduit un véhicule
ben, hors route, un motoneige ou tout-terrain, véhicule tout-terrain, ben, ça prend un permis de conduire valide. Ça veut dire que les mêmes lois de sécurité routière s'appliquent à ce moment-là, dans le sens que je conduis un quad, je suis en état d'ébriété, vous pouvez être arrêté. Oui, oui, effectivement, c'est le code criminel qui embarque là-dedans, là, autant. Je pense que les gens... Est-ce que les gens sont conscients de ça? Parce qu'on en voit passer beaucoup, les fameux côte-à-côte, là. On en voit passer beaucoup, puis c'est des... Hey, quel âge qu'il a pour conduire ça, lui? Aïe, aïe! Ça, c'est les parents qui sont irresponsables à ce moment-là. En fait, effectivement, là, c'est sûr que quand on est parent, quand on a une autorité sur un enfant, c'est à nous de mettre, d'encadrer l'enfant. Okay. Donc, même un parent qui laisserait un enfant de, je sais pas, 12 ans conduire un véhicule tout-terrain, il peut se voir émettre un constat d'infraction pour avoir toléré que son enfant conduise un véhicule tout-terrain. Ça veut dire que le parent peut avoir une infraction. Oui. À ce moment-là. Effectivement. 16 ans et plus, OK, avec permis de conduire. Permis de conduire. On s'entend bien, là. Puis 16-17 ans, il doit avoir un certificat d'aptitude qui a été délivré. Parce qu'il n'est pas majeur. C'est ça. Je pense qu'il y en a qui serait mieux de reviser leur code un petit peu, parce que, mon Dieu, qu'on en voit, là, c'est épouvantable. Parce qu'on voit, là, on voit de jeunes enfants conduire ça. Je dis pas qu'ils sont pas capables, je dis pas ça. Mais ça laisse à désirer un peu, là. Oui, bien, c'est sûr que c'est parce que, tu sais, il y a pas... Les lois sont là pour la sécurité. Voilà. Donc, tu sais, comme vous dites, on dit pas que l'enfant serait pas capable, mais on met des lois parce qu'on veut justement les encadrer, c'est être ça. Sûr qu'il n'y arrive aucune collision. Aucune collision. C'est vraiment... D'accord. Mais il y en a qui, je pense, qui prennent des chances un peu. Mais c'est parce que j'en reviens au rôle des parents dans ça, là, aussi, là. Tu sais, le petit bonhomme qui a 12 ans, là, pêche, puis tu parles de 4 roues, on va faire un tour. Oh, oui, prends-les. Là, tu te le père est fautif, là, au départ. Bien, effectivement, la loi l'interdit, donc, en principe, le parent ne devrait pas laisser son enfant à circuler. Soyez prudents, s'il vous plaît. Bon, là, on va avoir un hiver. Je suis à peu près certain. Oui, il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances qu'on ait un. Y a-t-il trop de bonheur pour parler des fameux pneus à clous, puis des pneus d'hiver? Bon, il faut faire une distinction là, entre les deux. Okay? Je vais vous laisser faire la distinction parce qu'il y a les pneus à clous, il y a des dates spéciales, il y a des pneus d'hiver. On ne peut pas les porter. C'est-à-dire, il faut les chausser. Nos véhicules doivent être chaussés de pneus d'hiver. Obligatoire de telle date à telle date. Je vous laisse aller un peu. Okay. Oui, effectivement, en fait, notre véhicule doit avoir 4 pneus d'hiver autorisés. Donc, quand on parle d'autorisé par la loi, c'est qu'il y a un pictogramme. Un petit flocon, là. Ouais, c'est une petite montagne avec flocon. Oui. Fait que ça, c'est obligatoire que ce petit pictogramme-là soit sur nos pneus. Donc, les pneus d'hiver sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars. Donc, si pendant ce temps-là, vous n'avez pas vos pneus d'hiver, bien là, vous pouvez avoir des amendes, bien, une amende de 200 $ plus les frais. OK? OK. C'est sûr que nous, on est en Abitibi. Donc, même si le temps, c'est du 1er décembre au 15 mars, c'est sûr que nous... On essaie de conseiller aux gens, si vous êtes capable, de les mettre avant, comme ça, pas vous faire surprendre par la première neige. Mm-hmm. Puis aussi de prendre vos rendez-vous d'avance. Parce que c'est sûr que si la date limite est le 1er décembre, puis que vous avez attendu à fin novembre pour avoir un rendez-vous, vous allez avoir un petit problème. C'est ça. Puis la loi est là quand même. Même si vous nous dites, ah ben là, moi, j'ai essayé de prendre un rendez-vous, je ne l'ai pas avant le 15 décembre. Je peux comprendre que peut-être que c'est pas nécessairement votre faute, mais la loi, elle est comme ça. Donc, c'est une loi. C'est ça. Il faut s'arranger pour les prendre d'avance. Au pire, on les aura un petit peu trop tôt, mais c'est mieux trop tôt que trop tard. Parce que je prenais l'émission, on l'enregistre le 20 septembre, et je prenais aux nouvelles ce midi dans la région, ici, Abitibi-Témiscamingue. C'est déjà complet jusqu'en décembre. Dans les stations-service. Fait que ceux qui vont attendre vers le 15
octobre, 18 octobre ou 20 octobre, puis regarde, je l'ai fait poser, il me reste du temps à messe, ils risquent peut-être de laisser leur véhicule dans la cour chez eux. Là. Bien, c'est ça. Ça serait bon là, de tout de suite prendre un rendez-vous. Hein, ça ne coûte rien. On prend un rendez-vous, puis au moins comme ça, on est assuré d'avoir nos pneus d'hiver à temps. Fait que ça veut dire qu'il y a une période de pneus d'hiver obligatoire, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années passées. Ouais. Pneus quatre saisons. Non, ça prend parce que le pneu de 4 saisons n'a pas la petite montagne avec le flocon. Écoutez, moi, je ne connais pas toutes les sortes de pneus. Okay, ouais. Mais si vous avez un pneu 4 saisons, qu'il y a le pictogramme, ça veut dire que c'est légal. Là. Je ne pourrais pas aller jusque-là, moi, ce que je sais, c'est que le pneu doit avoir le pictogramme dessus pour qu'il soit autorisé. Du 1er décembre au 15 mars. C'est ça. Okay. Pour maintenant, ce qui est des pneus... les pneus à clous, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Là. Oui, ben, en fait, c'est que si, mettons, vous n'avez pas vos pneus d'hiver, là, ils n'ont pas le petit pictogramme, mais que vous avez des crampons. OK. Bon, ça, c'est légal aussi. OK. Donc, pneus à crampons, c'est autorisé de les avoir sur notre véhicule, en fait, du 15 octobre au 1er mai. OK. C'est sûr que si on les a avant ça ou après la date, bien là, c'est plus légal. Vous devez les enlever, justement, dans les dates précises. Sinon, vous pouvez avoir une amende. Ça, on n'en a pas parlé avant. Je me risque une question. Est-ce que c'est la même chose quand on change de province? Parce que je sais qu'il y avait une différence avec l'Ontario, à un certain moment donné. Bien, en fait, un des conseils que je donnerais aux gens, si vous sortez du Québec avec vos pneus à crampons, vos pneus à clous, bien, ça serait de vérifier auprès de où est-ce que vous allez, de la province où vous allez, voir si c'est autorisé, parce qu'effectivement, il y a certains endroits que c'est pas autorisé de circuler avec. Et sur Internet, je pense qu'on a tout ça. On peut taper pneus avec loup Ontario, province Ontario, ouais. Puis on aura toutes les... Oui, vous allez avoir... Parce que je sais que c'est... À un certain moment donné, je sais que moi, j'avais toujours eu des pneus avec loup sur mon auto, puis ça m'empêchait d'aller en Ontario chez mes beaux-parents, parce que... Il y en a qui disaient, bien là, si tu vas rien qu'une semaine, peut-être qu'ils vont tolérer. Non, en tout cas, je mais je sais que si on vérifie, là, il y a certaines provinces que pour un temps, c'est oui, mettons, pour 7 jours, 10 jours. Okay. Il y en a que c'est pas du tout. Donc, ça serait vraiment de vérifier avant d'aller visiter. En tout cas, ceux qui veulent faire poser leur pneu à clous, c'est-à-dire leur pneu d'hiver pour être légal à partir du 1er décembre, je pense qu'on téléphone et ça presse, oui. J'ai l'impression. Un bon conseil. Un bon conseil. Nancy Fournier, sergente à la Sûreté du Québec, merci infiniment. Je pense qu'on a touché pas mal tous les sujets qu'on voulait toucher. C'est sûr qu'on va en refaire une autre. Quels seront les sujets à ce moment-là? Bien sûr, on vous le dira en temps et lieu, mais on a sûrement d'autres sujets parce que les lois changent. Hein? Très souvent, on amende une loi, on en fait de nouvelles. Alors, vous autres, vous êtes au courant, mais très souvent, des fois, le simple commun est mortel, ne l'est pas au courant. Fait que c'est pour ça, le but de cette émission-là, c'est d'informer les gens et vous le faites très bien. Je vous remercie infiniment. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Nancy. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.